suis rentré dans la société en 2011. J'y travaillais pendant un an. Et en 2012, malheureusement, en septembre 2012, j'ai eu un accident de la vie domestique. Donc ça a été chez moi. Je suis tombé d'une mezzanine. Donc je me suis cassé une cervicale et je suis rentré donc en hospitalisation. Et donc par quand je me suis réveillé le lendemain après l'opération, ben, j'ai vu que j'étais paralysé des deux membres inférieurs et des deux membres supérieurs. Mais dans mon malheur, j'ai eu de la chance. J'ai récupéré mes membres supérieurs avec une petite faiblesse au niveau des mains. On va dire ça au niveau de la préhension, de la prise. Quand je me suis réveillé, donc j'étais dans un lit d'hôpital, mes patrons sont venus, Paddy Maillard est arrivé. Moi je leur ai dit désolé, je leur ai dit texto désolé. De vous quitter comme ça, ils m'ont dit non, mais tu ne nous quitteras pas, tu restes avec nous. Et à ce moment-là, donc ça m'a fait chaud au cœur. Et là, j'ai eu par contre un élan de motivation. Et de suite, le fait que je savais que j'allais pouvoir réintégrer l'entreprise parce qu'ils croyaient en moi. J'ai plus cette sensation de peur et j'avais une surmotivation en fait. J'étais surmotivé. Les préoccupations immédiates, bah, ça a été d'assurer bah, la continuité d'activité, d'essayer d'être présent aussi auprès de Didier et de le rassurer par rapport à sa situation dans l'entreprise. Et puis après, très rapidement, en fait, se pose une question. Quand on est au pied du mur et qu'on se rend compte que la situation Didier va être durablement modifiée, c'est qu'est-ce qu'on fait? Et très vite, en fait, ça a été une évidence. Donc, très vite, on en a discuté avec toute l'équipe d'encadrement. Alors, que ça soit pour moi ou que ça soit pour tous les encadrants du site, ça a été en fait ce qu'il faut pour qu'ils reviennent quoi. Donc on a commencé avec Monsieur Pondéran, avec le médecin du travail, à on va dire partir avec ce que l'on connaissait ou ce qu'on pouvait transposer comme solution, et on s'est très vite rendu compte que techniquement ce serait pas possible, en grande partie du fait de la surface de l'entrepôt, de la rapidité avec laquelle tous les chariots se déplacent, du nombre de chariots. Voilà, donc on s'est très vite rendu compte qu'il allait falloir convaincre pour aller vers une solution nouvelle. En termes d'aménagement, effectivement, durant le projet, on a avancé pour rechercher la meilleure solution pour Didier pour pouvoir continuer à faire son activité et à reprendre son poste tel qu'il l'était à l'origine. Alors par plusieurs étapes on est arrivé à une solution qui voyait l'aménagement d'un chariot élévateur à conduite frontale en un chariot élévateur à conduite latérale qui permettait à un moment donné aussi à Didier de pouvoir monter dans le chariot, donc se transférer de son fauteuil sur le chariot. Donc il fallait qu'à un moment le siège du chariot élévateur puisse sortir. Pour pouvoir effectuer ce transfert, il fallait aussi qu'à un moment le fauteuil soit à hauteur du chariot élévateur et du siège. Donc on a imaginé une plateforme élévatrice pour pouvoir le rapprocher. Cette plateforme élévatrice, c'est pas une plateforme élévatrice qui est faite pour un chariot élévateur. Elle est faite plutôt pour gravir des marches dans un environnement urbain. Oui, c'est l'adaptation à la situation de différents moyens qui n'existaient pas. Grossièrement, un chariot élévateur de ce type, ça n'existe pas. C'est le premier, on s'est renseigné, ça n'existe pas. Là, la particularité, si vous voulez, c'est qu'il a fallu racheter un chariot spécifique. Si on était juste sur l'aménagement d'un chariot existant, on avait un coût d'adaptation. Là, on avait un coût d'acquisition
plus un coup d'adaptation. Et c'est ce qui nous faisait un peu douter, si vous voulez, de notre capacité à dégager l'ensemble du financement. Ceci dit, on a un lien très proche avec la GFIP régionale. Donc, en fait, je leur ai fait un premier exposé de situation et tout de suite, j'ai eu l'encouragement, on va dire, pour poursuivre. Je pense qu'à un moment donné, une personne qui a subi un handicap va chercher à se dépasser pour prouver que elle sait faire et qu'elle est capable. Et elle, de par son attitude, elle va être même certainement, à certains moments, plus performante qu'une personne valide. On parle de diversité. Aujourd'hui, la diversité, c'est pas que la couleur de peau, c'est aussi le handicap.